Bonjour, est-ce que je pourrais sortir, s'il vous plaît? Vous êtes où, là? Moi, je suis à la place du caméra. Et Saint-Thierry, t'es où? T'es toujours dans le truc? Il ferme la porte, je la rouvre. Il va me tuer, tue-moi. Regarde, je la ferme pas. Si t'as aimé la vidéo, alors mets un pouce bleu et on ira jouer à Call of Duty ensemble. Ah, je vais faire demi-tour l'arrière, oh, okay. Double-le à fond, Pierre. Hop là. Oh, ça y est. Non. Désolé. Je m'en vais ou quoi? Oh, ouais. Oh, il nous suit. Non, mais ça va être une course poursuite très lente. Regarde. À une terre, à chaque fois qu'il y a un rage, il est dans le cul. Voilà, rien de ça. C'est très facile, O'Brien. Regarde, là je vais aller à fond. Petit cours d'O'Brien. Ça, tac. Un petit cours de brain. Oh, il t'a pas vu. Oh, il t'a pas vu. Ah, si, c'est bon, il t'a vu. Et il va appeler ses potes. Eh, j'arrive pas à arrêter. Il est orange parce qu'il a fait demi-tour devant moi. Ah, c'est bon, il a ragi, il a arrêté. Et voilà. Oh, ouais, mais t'es trop un dieu du brain, franchement. GG. Il va nous voir. C'est sûr, dans la boîte. S'il nous voit pas, c'est qu'il est nul à chier. Il nous a vu, il a. Tu vois, il a ralenti. Ça veut dire qu'il nous a vu. Ouais. Il s'est arrêté, tu vois. Je sais lire dans les pensées des gens. Du coup, dès qu'on s'en bat les couilles. Ça. Et c'est reparti, deuxième round. T'as vu? Là, il fait demi-tour. Il est passé pour essayer de nous coincer, mais on est parti! Oh, le gars! Il est en retard sur ce truc! On est là! Voilà! Ah, j'adore! On va faire des tutos brain sur YouTube! De toute façon, ça marchera trop bien! Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos brain de NSK Ghost! NSK Ghost et copilote! Avec le petit jingle, c'est les tutos brain! Ouais! L'ambiance est stylée par contre. Hey, on devrait passer là. Ah, dis l'avant, j'ai reculé, regarde. Et là, regarde, il a... Hey, on voudrait passer là. Avance-toi. Ça va durer longtemps. Oh le con, il est rentré dans le mur. Ah là-bas. Ah, c'est quoi oh ça? Oh là. Oh. Oh là. C'est quoi ça? C'est des rebelles. Ah viens, on les suit. Bah alors, on sait pas conduire? Allez, y a à tracer un. Oh là là, les blaireaux! Ah, ils nous encerclent, MDR, vas-y! LOL! Bande de grosses merdes! Allez, on fait le course! Vous êtes pas très doué, hein! Niveau douéisme, vous êtes pas très fort! On va arriver à fond dans les pompiers, tu vois! Moi j'ai freiné avant et ils vont foncer! On retourne en droite, Pierre! Ici! Ils ont ralenti, Ghost! Ils ont tourné vers la flic. Ils vont au comico. Le mec est venu, il a fait monsieur. Ouais, il va rien. Il pas mal. Il va te foncer dedans. Put. C'est un mariage. Vive les mariés! Le 110 mètres, hey! Hey! T'as compris la blague? Ouais. Il vient de rire, mec. Non, je viens de dire penser, mais c'est trop con. Y'a que toi pour dire ça, t'as vraiment. Ouais! J'ai rien fait de mal!
Ils m'ont carrément tué. Ah ouais, c'est ému. Oh les fils de pute. Attends, je vais les voir, je vais demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Oh, un cadavre. Au meurtre. Qu'a-t-il fait cet homme? Pourquoi cet homme est-il mort? Okay, reculez s'il vous plaît, libérez, les médicaux ont besoin de place. Mais je connais cet individu. C'est mon frère. C'est mon bro. C'est mon sauce. Ok. Monsieur, je vais vous demander de... Monsieur, c'était mon strab. Vous avez été reconnu par l'hélicoptère. Monsieur, c'était mon srab. Vous venez de tuer mon srab, mon sauce. Monsieur, vous avez été repéré par notre hélicoptère et apparemment vous étiez aussi sur l'action. Je vous demande de mettre... Mais que se passe-t-il, monsieur? Je ne comprends pas. Monsieur, si vous voulez, hop là, comme s'il ne peut pas me sauver, il ne peut pas me mettre en prison. Allez, salut, je suis au Miko. Mais comment je fais? Je n'arrive pas à mettre mes mains sur la tête. Je n'ai pas cette capacité. Tournez-vous, monsieur, je vais vous aider. Tournez-vous. Voilà, je me tourne. Attention, hop. Je suis meloté, comme ça, on va une petite action. Oui, bonjour. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais vous demander de circuler, s'il vous plaît. Eh merde, bon, on en a une là, ici. Inspecteur, on en a une ici. Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas la raison de l'interpellation. Elle était repérée par l'hélicoptère, elle était avec... Silence, s'il vous plaît. Mais non, je ne comprends pas mon interpellation, Nardine Mook. C'est le faux arabe qui sait. Ouais, je vais demander confirmation. Mais moi non plus, bah ça tombe bien au moins, on sera deux à ne pas comprendre ce qui se passe. Vous avez tué mon srab. Mon collègue. Mais où m'emmenez-vous? Mais arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Je viens chercher de l'argent, monsieur. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me mettre devant leur voiture. Qui c'est qui rampe là? Non mec, arrête, parce que ça tu peux te faire ban parce que des fois ils sont chiants. Non, fais gaffe, ça te fait écraser. Voilà. Non, je voulais récupérer de l'argent, mais apparemment il se passe beaucoup de choses ici, donc je vais partir. Donc monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Bah oui, ça j'ai remarqué, mais. Dans le silence, ce que vous direz, non, c'est bon. Ça sera obtenu contre vous. Contre vous, ouais. Vous avez aussi droit à un médecin. Un avocat. Un avocat, d'accord. Le civil, là. Mais avant, c'est moi. Vous pouvez pas m'expliquer pourquoi je suis arrêté, s'il vous plaît, parce que je comprends pas. J'ai le droit à un avocat, les gars, et un médecin. Donc Arnaud, t'as fait médecine, écoutez, 3 monsieur, ans, et toi, t'as été... Attends, je parle. Avec votre collègue au début d'une... sur une tentative de fuite sur un quad, vous avez quitté votre véhicule et vous avez refusé le contrôle de nos agents. L'hélicoptère qui vous poursuivait a pu vous identifier grâce à la caméra qu'il a d'embarqué, et donc nous vous avons tout simplement maîtrisé. D'accord, alors dans ce cas-là, je vais pouvoir me défendre tout seul et sans avocat. Oh, très bien. Mec, ils ont dit, tu sais, ils ont dit qu'on était en tentative de fuite, tout ça là. Sauf ouais. Que, mec, à quel moment ils ont mis les gyrophares pour nous arrêter? Ouais. Aucun. Bon, aucune tentative de fuite. Et où le boss? Je suis là, je vais acheter un quad. J'appelle par radio le PC. Y'a pas de problème. Attention, y'a un petit serpent là, j'ai peur. Attention, il va vous faire mal! C'est bon, excusez-moi, j'ai peur des serpents, désolé. Vas-y, fais le cinglé comme ça, le schizophrène là. Le mec bipolaire, tu sais, d'un coup il est trop gamin, il dit putain. Alors, on va sauver mon srab. Mais non, vous avez tué mon sauce. Alors moi, je vais prendre le meuble Ikea à droite. Parfait, merci. C'est la marque Fnuc. Ils ont toujours des noms chelous chez Ikea. Je voudrais bien une chaise, moi aussi, s'il vous plaît. Bien, monsieur, vous avez refusé d'avoir un avocat. Est-ce que vous voulez être inspecté par un médecin? Négatif, je suis en pleine forme. Bien. Alors, monsieur, je vais sortir votre dossier. Il va sortir son dossier. Très bien, je vais vous demander de me donner vos papiers que je vais... Dans ma poche, derrière, au niveau de ma fesse droite. N'en profitez pas. Insupportable, mec. Alors, vous avez... C'est ça, Jeff Treveltreux, enchanté. On sera le bis plus tard. Vas-y, rentre. Non, y'a pas de problème, c'est très bien prononcé. Vous avez été...
Vous avez été contrôlé par enfin un de nos agents. Bon. Attends. Vous avez où, là été contrôlé et vous lui avez vous l'avez percuté avant de prendre la fuite avec votre collègue. Durant l'opération, votre collègue a perdu la vie à la suite d'une surcharge au taser. Surcharge de taser. Les médecins ont tenté ne parlez pas les gars. Ça n'a pas été possible hélas, toutes mes condoléances. Oui, je suis triste. Vous avez ensuite été repéré et rentré. T'es où, gosse? Je suis rentré dedans. Je suis en train d'essayer de vous la dire. Qu'est-ce que vous avez à dire exactement? Alors, en premier lieu, quoi, je. Officier, attendez, j'ai un mec qui. Je vois la tête d'une personne à l'entrée qui est allongée. Vous pouvez me la choper. Et les gars, vous êtes devant la poste, il y en a qui arrivent, hein, si jamais vous êtes. Les gars, il y en a qui. Il y a les policiers qui arrivent sur vous, je crois. Ah, bah, c'était toi. Non. Alors, attendez. Donc, on va commencer l'histoire. Attendez deux secondes. Les gars, vous vous taisez, d'accord? Je vais parler et je vais vous entendre là, ouais. Chut. Alors, donc, vous avez dit en premier temps que j'ai écrasé un de vos agents. Donc, nuance. Moi, j'ai pris le quad, effectivement. J'étais sur ce quad devant le commissariat. J'ai commencé à accélérer et votre collègue s'est soudainement jeté sur mon quad. Je n'ai rien pu faire. Et moi, vu que j'ai des très bonnes suspensions, j'ai pas senti du tout de secousse, donc je m'en suis même pas aperçu. Dans un second temps, vous me dites, hein, si je me trompe, hein, que vous nous avez tenté de nous poursuivre en voiture, est-ce correct? Je suis sur le toit. Affirmatif. Voilà. Donc dans ce cas, monsieur, j'ai envie de vous dire, quelles sont les procédures policières quand vous faites une poursuite entre votre véhicule et entre un véhicule, donc le nôtre par exemple. Moi, je vais vous dire la procédure déjà, c'est d'allumer ses gyrophares et d'avoir un signal sonore. Or, nous, on n'a entendu aucun signal sonore, donc aucune interpellation pour nous. On pouvait pas deviner que vous nous poursuivez, quoi. Ça, on pouvait pas le deviner. Si jamais il n'y a pas de signe. Allez-y. Je vous coupe un instant. Juste un instant. J'ai un message radio à passer. C'est extrêmement urgent. Il n'y a pas de souci. Va passer ton message radio. il a rien à dire, mon frère. Rien à dire. Ah non, il a rien à dire, c'est sûr. Je t'entends, gros. Je suis sur le toit. Débat. Oh, il a dit qu'il avait un message radio à faire. Il m'a dit ça va être pour dire ok, on a deux gugustes. Moi, il m'a mis dehors, il m'a mis le bras à la pancarte et il m'a fait genre vous savez lire? C'est écrit quoi là? Et j'ai fait non, j'arrive pas à lire, c'est pas dans une langue que je connais. Excellent. Ah oui, c'est en grec, je crois. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de lire le grec, j'ai fait Delta, Somme et tout, ouais. Oh! Ah, la distance, les gars, t'es où? Bien, monsieur, vu que je suis tout simplement un haut gradé de cette police fédérale, je ne vais pas pouvoir m'occuper de ce dossier qui m'a l'air fort intéressant en plus, vous avez l'air de vous y connaître extrêmement bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon meilleur homme sur le coup. Lui, il est à cheval sur toutes les procédures, il les connaît par cœur de A à Z. Très bien. Il ne devrait pas tarder, je vais simplement vous demander de patienter. D'accord. Très bien, pas de soucis. Est-ce que les menottes sont nécessaires encore, monsieur, ou pas? Je coopère. Bah écoutez, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes prévenu maintenant. Si jamais vous tentez quoi, c'est où, la quoi on double votre peine. Il y a aucun problème. Normalement, il n'y aura aucune peine parce que je ne suis absolument pas en tort. Je vais sauter. A few moments later. Ah les gars, je crois qu'ils arrivent. Ils arrivent où? Ils arrivent pour me parler. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah bah moi, écoutez, désolé monsieur, si vous faites votre travail, excusez-moi. Apparemment, celui qui était là, il était trop haut gradé pour s'occuper de mon cas. Mec, j'espère que ça vaut une raison de me déplacer. Bon, dois-je redire mon histoire, enfin ma version des faits? Oui, réexplique-moi tout depuis le début. Alors, bon, c'est très simple. Au début, votre collègue m'a dit que j'étais recherché parce que j'aurais écrasé un de vos collègues. Or, moi, j'ai juste démarré mon quad et avancé, d'accord, tout droit. Et avancé tout droit. C'est juste votre collègue qui s'est jeté sous mes roues. Les gars, parlez pas, s'il vous plaît. Donc, à partir de là, moi, étant donné que j'ai des très très bonnes suspensions, je n'ai absolument senti aucune secousse. J'ai donc continué ma route.
En secondo, votre collègue m'a également dit qu'une voiture de police a voulu effectuer une course-poursuite contre nous. Néanmoins, une course de poursuite pour la police, voilà, je pense que vous connaissez les procédures. Quand vous engagez une course-poursuite, il faut que non seulement les civils, donc hors d'un véhicule, donc en tant que soit piéton ou même à bord d'un autre véhicule, doivent être au courant, et même nous, donc entre guillemets les coupables, devons être au courant que nous faisons poursuivre par la police. Donc il faut donc activer les gyrophares, c'est bien ça. Eh oui, il faut activer soit une alarme sonore, quelque chose qui puisse nous prévenir. Et voilà, nous dire que nous faisons tout simplement poursuivre. Or, dans notre cas, aucune sirène de police, donc aucun gyrophare bleu là qui tourne partout, et aucun signal sonore. Donc, aucune poursuite a été faite contre nous. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets, fermez-les, parenthèse, tout ce que vous voulez. Point. Est-ce qu'il y a une porte qui s'est ouverte derrière toi ? Oui, oui, oui. Alors, attends, il parle. Moi, je veux savoir pourquoi vous fuyez alors. Nous fuyons. Comment ? Pourquoi vous fuyez ? Fuyez à partir de quand on a fuyé ? On a fuyé. Prends pas ton quad. Bah, dès le moment que vous avez vu une voiture de police. Pourquoi tu prends pas ton quad ? Ah, donc en fait, non, déjà, nous de voiture de police, on s'en fout complètement. Hein. On les voit passer. Nous, on a juste suivi notre chemin. Écoutez, on s'entraîne en ce moment parce qu'on fait du quad de route. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est, en fait, c'est du quad, sauf que c'est. Sur la route, en fait, c'est dans un club, tout ça. Et là, on s'apprêtait à y aller, justement, et on s'entraînait juste un petit peu à faire des virages très secs comme ça, et puis c'est tout. Mais à aucun moment, on tentait de... Déjà, on savait même pas qu'on était poursuivis par les flics, donc... Pardon, par la police, excusez-moi. Par la police, donc, voilà. Ça, c'est fait. Alors, d'une part, je peux vous assurer qu'avec les trois voitures de police qui étaient présentes... Et les flics, là-bas. Ah bah, attends, rien, t'es prêt? Et l'hélicoptère. What? Ouais, mais... Oh, bah c'est parti. Dans lequel nous nous trouvions, les gyrophares ainsi que les sirènes étaient allumées, et les unités sur place ont utilisé leur sifflet d'alarme. Donc, alors... Vous pouvez pas plaider le fait d'avoir ni entendu, ni vu les sirènes ainsi que les gyrophares. Et si dans le cas contraire, vous ne les avez pas vus ou vous les avez pas entendus, j'amènerai un médecin qui puisse analyser votre audition ainsi que votre niveau de perception visuelle. Alors, donc, ce qu'on... deuxième chose. Oui, dépêchez-vous. Vous avez, je pense, visiblement une certaine petite acuité à prendre du plaisir en prenant visiblement un OPJ pour un imbécile. Alors attendez, c'est vous l'OPJ, c'est ça ? Sachez que ça ne va pas se finir comme ça. Qui est l'OPJ ? Donc, vous n'allez pas venir me dire aujourd'hui, non, je n'ai pas vu les sirènes de police, non, je n'ai pas fui, non, je n'ai pas entendu. Ce ne sont pas des arguments tenables ni retenables. Alors, c'est bon, je peux parler ? Donc, alors, vous pouvez parler effectivement. Oui. Mais sachez... que vous ne pouvez pas vous permettre ce que vous voulez et vous ne pouvez pas plaider le droit de ne pas savoir puisque en votre présence parle trop comme c'est vous de avez la merde. Certainement pu le témoigner, tu dis de la merde. La plupart des unités de la police de cette brigade cavalienne ont été déployées juste pour courir après vous. Ok, donc c'est bon. Un argument avancé en me disant je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ne tient pas debout. Alors, ne bougez pas, on va en venir. Donc là, vous parlez de ce qui s'est passé sur la place de Kavala. Ok, nous, on venait tout juste de garer notre quad, ok ? On s'est garé notre quad, tout ça. Et on a décidé, nous, de partir vers l'hôpital. Vous voyez l'hôpital de ma machin, là, de Kavala. Effectivement, on a entendu des hélicos, on a entendu des voitures de flics de partout et tout. Alors, avec mon collègue, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passait? Parce que c'était le gros bordel, il y en avait de partout. Du coup, vous savez ce qu'on a fait? Eh ben, vous le saviez très très bien. On a commencé à courir et à se mettre à l'abri. À partir de là, on a commencé à savoir que c'était pour nous. Et on s'est posé des questions. Évidemment, quand on a des hommes armés, tout ça, qui vous courent après, on ne sait pas trop pourquoi.
on tente juste de se cacher, c'est le premier chose qui nous vient. À aucun moment on s'est dit bon bah on va s'arrêter et tout, on va leur parler. Non, c'est pris de panique. D'ailleurs, on aurait dû faire. Attendez, je termine s'il vous plaît. Je termine s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, je termine. C'est exactement ce que je viens. Vous m'avez compris. D'accord, je viens juste de vous dire qu'on a pris peur, c'est tout. Ça se contrôle pas, ça, c'est la vie comme ça. Hein. Après, effectivement, une fois, vous voyez, une fois que qu'il y a eu des coups de feu, des échanges, là, on a commencé à reprendre ses esprits. Et effectivement, je sais pas si vous étiez sur la scène. Moi, je suis venu vers vous et j'ai vu d'ailleurs mon frère qui est décédé des balles. Et voilà, et tout ça pour rien. Donc, à partir de là, non, on n'était pas au courant des sirènes. Ça, que faites-vous? Allez-y, quittez l'audience carrément. Bah, regardez, je vais faire la même chose. On va partir alors si tout le monde part comme ça là. Je vous demandais de me présenter vos mains. Mes mains? Alors, attendez, venez. Pour quelle raison? Le cher monsieur est, je pense, sous l'emprise. Sous l'emprise? D'alcool. D'accord, sous l'emprise d'alcool, ok. Cette nuit en garde à vue ne le fera que du bien. D'accord, en garde à vue, bien sûr. Alors, sachez, monsieur, que je n'ai consommé aucun alcool, d'accord. Donnez-moi vos mains, faites pas l'enfant. Mais je ne fais pas l'enfant, écoutez, c'est vous qui vous comportez comme un ado, là, qui fait ses crises de nerfs, monsieur. Parce que vous refusez d'être en tort, c'est ça? Ah, bah, donc c'est ça, la police, en fait. D'accord, ok, quand ça a plus rien à dire, ça menotte les gens. Il est tard, cher monsieur, je n'ai pas envie de débattre avec vous, j'ai écouté vos arguments. Ils ne sont malheureusement pas recevables. Ah bah voilà, ils sont pas recevables. Et donc ça c'est vous qui décidez. Je les appellerai demain matin pour vous. C'est vous qui décidez quand. D'accord, quand c'est pas recevable et tout. Alors non, je suis désolé, ça doit pas être un force de l'ordre, mais ça doit être un représentant de la loi, tel qu'un jury, ou un avocat ou autre. Pas vous. Je suis un OPJ. Un OPJ, mais bien sûr, bah voilà la gueule de l'OPJ. Je me suis enfui, les gars. Les gars, je me suis enfui, les gars. Les gars, je me suis enfui, putain. Lâche. Non, putain, ils m'ont tassé. Excusez-moi, il y a un agent dans les parages. Ah, j'ai tasé. Ah, je me suis fait taser, pourquoi? Excusez-moi. Putain, ils m'ont. Excusez-moi, agent. Allô. Salope. Arnaud, bonsoir. Comment? J'étais en train de rouler tranquillement, monsieur. Oh là là. Ah, mais. Dans les cellules. Local. Oui, vraiment des fils de pute, les flics. Excusez-moi, il y a une erreur. Pourquoi je suis. Hein. Allô? Putain. C'est une grave erreur. Pourquoi? J'ai rien fait. Arnaud qui se défend. Voilà, c'est pas moi. Mec, entre nous, franchement, j'ai rien fait. J'étais sur un coin tranquillement avec un ami que je connais pas. Un ami que je connais pas. When you're thinking, damn, what is this? That's us. Make it speak as bam when it hits like what? Keep it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Jay is something crazy when that bass line bump. We